Eigen a lancé hier sa version de Video Translator. Adobe accepte que Firefly est plus en bêta et est disponible à tout le monde. Salut tout le monde, c'est Monsieur IA. Nous sommes actuellement sur le format actualité et je vais vous montrer tout ce qui s'est passé dans le monde de l'intelligence artificielle au cours de cette semaine. C'est parti. Alors on commence avec Adobe Firefly. Adobe Firefly est maintenant disponible directement sur Creative Cloud. Donc là où on trouve toute la suite de Adobe. Après 160 jour de bêta, c'est enfin le cas, c'est disponible et là on peut avoir accès aussi au prix. Donc comme vous pouvez voir là, ici nous avons un petit article hein, de tout ce qui est TechCrunch que je regarde souvent lorsque vous regardez des actualités et on peut voir plusieurs fonctionnalités de Adobe Firefly. Comme là le fait qu'on puisse modifier du texte, faire en sorte de faire du text to image, faire en sorte de pouvoir modifier une image. Ça c'est toutes les fonctionnalités que nous avons justement avec Adobe Firefly et maintenant il est plus en bêta, il est disponible pour tout le monde. Actualité suivante. C'est parti, donc nous sommes partis sur X. Donc oui, voilà l'ancien Twitter. Hein. Ce qui se passe, c'est que là, on va directement sur l'information de Runway. Runway, donc, a ajouté une nouvelle fonctionnalité, c'est Director Mode. Elle nous permet donc de pouvoir animer une image et la rendre vraiment avec une partie cinématique qui est assez intéressante. Comme vous pouvez voir dans la petite vidéo ici, là, franchement, c'est assez intéressant de voir ça parce qu'on part d'une image. Hein. C'est vraiment une simple image qu'on a généré avec Runway et qui est animé par la suite. Donc ça annonce énormément de choses pour la suite qui va être tout ce qui est le cinéma, les courts-métrages, même pour les vidéos YouTube, on pourra utiliser ce type de contenu-là. Donc comme d'habitude, hein, lorsqu'on est sur X, ce qu'on fait, c'est qu'on like, on retweet et comme ça, vous pouvez aussi voir lorsque vous allez pouvoir vous abonner dessus. C'est vraiment génial. On continue. Alors, deuxième information qui est assez cool, c'est Pika. La même chose que Runway, donc c'est une solution qui nous permet de faire des images et aussi de coup qui a ajouté cette version de Director Lab qui nous permet donc de faire des caméras de mouvement comme vous pouvez voir là avec Darth Vader, avec aussi ben voilà hop un cinéma, un plan cinématique tout simplement, vous pouvez voir tout ça directement ici. Pika comparé à directement Runway est disponible directement sur un Discord, donc là vous allez tout avoir dans la description pour pouvoir vous inscrire, je pense que c'est assez cool, n'hésitez pas à tester, ça peut être intéressant, c'est parti, prochaine actualité. On part sur l'actualité du moment avec Eigen. Eigen qui est passé justement au JT il n'y a pas longtemps là justement en France. Vous vous rendez compte? Je vous en ai parlé depuis un bon moment que je vous parle de cette solution là et je suis bien content justement que vous puissiez voir ça dans mes anciennes vidéos. Là, pourquoi elle est passée à la télé? Elle est passée à la télé parce que justement, on a eu cette vidéo que vous allez voir tout de suite. Hop, je vais la lancer. J'espère que je ne vais pas être copyrighté comme par hasard au moment où je vais lancer une vidéo à côté. C'est parti. On va enlever le son, bien sûr, parce que sinon, pas évident. Hop. Donc là, on va juste baisser un tout petit peu le son. Vous allez pouvoir voir que là, il parle en anglais. Ce qui se passe, c'est que bah voilà, ça a attiré pas mal de personnes. C'est sa langue d'origine. Hop. On laisse un tout petit peu. On va laisser, hop. Glisser, déposer. Et là, c'est parti en français. Déposer. Donc la même vidéo est directement translate, donc traduit dans les différentes langues. C'est surpuissant. Et justement, ça s'est passé à la télé, c'est passé dans différentes vidéos. Vous avez vu que ça fait un boom, tellement un gros boom que ben, comme vous pouvez voir, hein, moi justement à côté, j'ai essayé de faire un petit test. J'ai testé cela, vous allez l'avoir aussi dans la description. Malheureusement, j'ai pas encore la vidéo qui est sortie, mais elle va arriver par la suite. Il y aura forcément une vidéo sur Eigen et c'est déjà sorti, ben, elle se trouve juste ici. Bon. Bah alors c'est parti, ce qu'on va faire c'est qu'on va passer à l'actualité suivante. Bon, on a tous goûté une fois dans notre vie du Coca-Cola. Mais est-ce que vous avez déjà goûté du Coca-Cola qui est fait avec une recette spécialement générée avec l'intelligence artificielle? Eh ben non, parce que justement Coca-Cola a actuellement lancé un nouveau concept, c'est le Coca-Cola Y3000, ok? Donc c'est une nouvelle version de Coca-Cola qui est inspirée de recettes générées avec l'IA et là elle est en version limitée aux États-Unis. Pour le moment, vous pouvez voir, hein, on a cette version-là qui est en bouteille, tout simplement, et aussi la version en canette. Donc là, bientôt, on va pouvoir avoir des retours, justement, de ces nouveaux types de Coca-Cola qui vont pouvoir sortir aux États-Unis. J'ai hâte quand même d'avoir des premières personnes qui vont pouvoir tester et nous dire exactement ce que ça va, quel goût ça a, etc. Est-ce que ça a changé ou autre. Donc là, c'est vraiment tout ce qui est lié à la génération IA, donc tout ce qui est IA générative, qui a généré tout de A à Z. Et voilà, c'était toutes les saveurs du futur. Bah, j'ai bien envie de tester les saveurs du futur et avoir les retours des personnes qui vont tester ça. Donc on va attendre, on va voir ce que ça va donner. Qui sait, peut-être que bientôt vous allez avoir une petite vidéo dégustation de Coca-Cola IA dans un nouveau concept, pourquoi pas, on verra bien. Mais pour cela, faut s'abonner, faut liker, faut commenter la vidéo bien sûr. C'est parti, actualité suivante. Microsoft et
Station F décide de créer un incubateur pour les startups AI. Et ça, c'est surpuissant. Parce que vous pouvez candidater, c'est ça qui est fort. C'est qu'actuellement, les candidatures sont ouvertes. Donc, si vous avez une idée de concept de startup d'IA, c'est le moment. C'est le moment de pouvoir vous faire sponsoriser par Station F, Microsoft, dans un startup programme. C'est... Moi-même, forcément, j'aurais bien aimé avoir ce startup programme au moment où j'avais voulu lancer des startups IA. Donc là, je pense que tout ce qui est création de SaaS, tout ce qui est création de business en ligne, etc., ça va y aller à foison. Donc, allez-y, il faut y aller tout de suite. Comme vous pouvez voir actuellement, ici, on a la page avec les certains critères. Donc, vous pouvez avoir tous les critères qui sont ici, les bénéfices et le programme qui est là. Donc, allez-y, foncez. Je vous mets le lien dans la description. Vous allez avoir tout ce qu'il vous faut. Actualité suivante. Bon, maintenant nous avons une nouvelle information sur ChatGPT. ChatGPT est capable de se mettre en français. Comme vous pouvez le voir, comment activer la version française de ChatGPT? Donc pour commencer, vous allez directement ici dans les settings. Dans les settings, là vous allez dans général et dans général vous allez local, en version alpha. Et là vous pouvez mettre directement la version française qui se trouve ici. Vous avez différents types de langues qui sont disponibles sur la version de ChatGPT maintenant. Comme vous pouvez le voir, c'est le français, l'allemand, l'italien, le japonais, l'anglais de base. Ça, c'est vraiment intéressant. Vous allez pouvoir voir toute la liste des différentes langues qui se trouvent sur la version de ChatGPT directement en allant dans les settings, comme je l'ai fait. Donc, voilà, ça, c'est vraiment intéressant. Bon, tant qu'on est toujours sur la version de ChatGPT, ce qui est intéressant, c'est aussi de parler des plugins. Donc, c'est parti, on va aller faire un petit tour sur les plugins. On va aller sur le Plugin Store. Donc, là, voilà, on voit tout ce qui se passe about les plugins. On peut arriver ici, on voit qu'il y a plus de 118 pages de plugins, ok? Donc ça, 118 pages de plugins, je vais vous faire un petit calcul très rapidement. Ça fait à peu près presque 1000 plugins. Donc là, c'est 940 plugins qui sont actuellement disponibles sur le store. Et c'est vraiment génial de pouvoir se dire que nous avons de plus en plus de choix sur ChatGPT en achetant la version ChatGPT+. Actualité suivante. L'outil du jour. Donc là, on part directement sur l'outil du jour. Et l'outil du jour, il va nous faire un petit peu danser. Ok? Pourquoi? Parce que ce qui se passe, c'est que c'est un outil qui a été généré par Stable Diffusion. Stable Diffusion, qui est du coup l'entreprise qui a créé du coup Stability AI. Et du coup, c'est tout ce qui est génération d'images, de vidéos. Bon, là, cette fois-ci, c'est pas de l'image, c'est pas de la vidéo. Qu'est-ce que c'est? C'est de la musique. Et c'est de la musique qui est générée avec Stable Audio. Et comme vous pouvez le voir ici, hein, on peut faire de la musique gratuitement. Donc là, on avait eu la version avec Meta. On a eu la version avec Google, qui a lancé aussi sa propre manière, sa propre IA générative de audio, de musique. Mais là, maintenant, Stability décide de rentrer dans le game. Hein, ils sont là, ils ne veulent pas rester à côté. Ils ont dit, OK, moi aussi, je veux faire de la musique. Donc, on va faire de l'audio. C'est parti, on va écouter la musique de Stability Audio. C'est parti. On commence. Là, on a Ibiza, là. Là, c'est les sons de l'été, là. Ok, on va arrêter parce que sinon, on va faire strike. Ça serait vraiment dommage hein, pour une vidéo et en plus, une musique qui est générée avec l'IA. Enfin, même... Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est comme vous pouvez le voir, vous pouvez générer des musiques avec l'IA de Stability. Donc là, Stability Audio vous permet de générer tout ce qu'il vous faut gratuitement. Ok, donc n'hésitez pas à se tester, c'est l'outil du jour, c'est l'outil de la semaine, c'est l'outil IA de Monsieur IA. C'est parti, on continue. Nous arrivons maintenant à la partie YouTube. Et là, je tiens à vous remercier parce que justement, vous avez explosé tous les records. Bon, vous pouvez le voir là, on a eu du coup plus de 2600 vues cette semaine. Nous avons eu plus de 1118 heures de visionnage et ça, c'est vraiment, vraiment un grand merci parce que nous sommes plus à 53% de plus que d'habitude et 87 nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne YouTube. Donc, je vous remercie énormément. Donc là, aujourd'hui, nous sommes plus de 2363 abonnés. Donc, n'hésite pas, toi, si tu ne t'es pas abonné, à t'abonner à la chaîne pour justement faire partie des 2365 abonnés justement à cette chaîne YouTube. N'hésite pas à lâcher un like, un commentaire et à repartager cette vidéo. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Je suis bien content aussi qu'au bout de 48 dernières heures, nous avons eu plus de 830 personnes qui ont regardé du coup des vidéos sur cette chaîne. Bon, qu'est-ce qui me manque à vous dire? J'espère que vous avez aimé ce contenu-là. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux et sur cette chaîne YouTube. On se dit à la semaine prochaine pour les actualités d'IA ou un autre type de concept sur tout ce qui est intelligence artificielle. C'était Monsieur IA. Allez, ciao!